Bonjour à tous et bienvenue au courrier du grenier. Un appel de Rosélène. Allô? Oui, Mimi, oui. C'est moi, ouais. Bon, alors écoute, j'ai fait comme on a dit. Ah. J'ai pris tous les courriers à mon nom et je l'ai remplacé par Joanne. Mais super. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Non, rien. Ah. Bon alors, alors... Ouais, par contre, j'ai comme un doute quand même. Mais non. Si tu crois qu'elle va y croire. Mais bien sûr. Vraiment. Enfin, c'est Joanne quand même. Écoute, je te fais confiance. Je te fais ça. Bon. J'en ai encore pour un petit bout de temps parce que j'en ai reçu, mais plein, quoi. Ça m'arrête pas. Ouais. Bon, bah écoute, je te tiens au courant. Bon, ouais, super. Ça marche. Bon, allez, j'y retourne. À très vite. Bisous. Allez, bisous. Oh, Joanne. Allô, Mimi? Oui. C'est Joanne? Oui, je sais, oui. Je t'appelais pour te dire que moi aussi, j'ai reçu du courrier. Oh, mais c'est super! Très chère Joanne. D'amour pour son amant dans le non moins célèbre Roméo et Juliette. J'ai jamais joué dans ce spectacle. Allô? Allô? Ok. Affaire réglée. Alors, je vais prendre une lettre au hasard. Gaël J. qui nous dit: j'aimerais savoir comment gérez-vous votre trac? Le trac, ça c'est une excellente question. Tout d'abord, il était intéressant de savoir qu'est-ce que le trac. Alors, selon une source incroyable, Wikipédia, le trac est un sentiment d'appréhension irraisonné avant d'affronter un public ou avant d'entrer en scène. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de vous mettre dans la peau d'un comédien du Grenier de Toulouse. Imaginez-vous, il est 20h15, vous attendez le public rentrer, votre cœur bat la chamade. Le trac commence à monter, et là, au Grenier de Toulouse, voilà ce qu'il se passe derrière un rideau. Ouais, c'est bon, ouais, je vous entends. Ok. Oui, je vérifie si tout le monde est là. Hé, vous avez vu Laurence? Ben, elle est en train de se coiffer. Loïc, on va commencer. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait, Johan? Johan? Oui, il vient de me laisser un texto. Il arrivera vers 21h10 à peu près. Il a eu un petit empêchement. Ça va, son entrée est à 21h15. Où est Laurence? Elle se coiffe. Moi, je connais pas le trac. Tu vois, je vais te dire, la peur n'empêche pas le danger. Donc ça ne sert à rien, le trac. Ça sert à rien. Et si t'as peur, c'est que t'as pas confiance en toi. Et si t'as pas confiance en toi, crois-moi, t'iras pas bien loin. Parce que la peur, elle va s'engouffrer partout. D'accord? Faut que tu sois fort, bordel. Bon, allez, c'est parti, on y va. Quoi? Non, mais pas déjà, quand même, non? Est-ce que quelqu'un a vu Pierre? Il est reparti chez lui, il avait oublié son costume. Mais figure-toi qu'arrivé chez lui, tu sais sur quoi il tombe? Une pomme et du chocolat. Ben, résultat, il a pris la pomme et le chocolat et a laissé le costume chez lui. Donc, Pierre prendra ton costume à toi. Voilà, hey, je voudrais pas vous affoler, hein, mais il est déjà 20h30. Hein. Non, je déconne. Hey,
Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est à toi, là! Non, je déconne! Tu vas crier! Oh là là! Non mais qu'est-ce que t'as fait à ton costume? Vraiment, Muriel, mais t'énerves tout le monde avec tes blagues. Tu déconnes, hein? Ah non, non, je déconne pas, non. Mais où est Laurence? Ben, elle se coiffe. Hey, Muriel, quoi? T'aurais pu te coiffer quand même. Mais je suis coiffée, je suis coiffée! Ah, ok. Ça y est, il est 20h30. Tout le monde s'arrête de parler. Et ça va bientôt être à vous de commencer. Et vous, vous vous dites qu'une seule chose. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ce métier? Eh bien maintenant, le trac n'a plus de secret pour vous. Merci à tous, à bientôt, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous écrire.